tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Oh, Jésus, tu es si Joyeux Noël! Ce n'est pas Noël? Bien non, je le sais, ce n'est pas Noël. Mais Skyler veut te parler d'un petit animal qui s'appelle Arbre de Noël. On le regarde ensemble? Regardons Skyler. Hello, c'est moi Skyler. Je veux te présenter l'arbre de Noël, c'est-à-dire le vert arbre de Noël. On le trouve partout dans le monde.
dans les eaux depuis les récifs coralliens des Caraïbes jusqu'à ceux de l'Indo-Pacifique. Le vert arbre de Noël sort en décorant les récifs coralliens avec des ornements comme sur un arbre de Noël. Ces petites créatures ne bougent pas beaucoup. Quand il est bébé, le ver se pose sur le corail. Puis, le corail se développe autour du ver, créant un terrier. La partie du ver qui ressemble à un arbre de Noël s'appelle la couronne, et c'est la seule partie que l'on peut voir. Leur corps, en forme de tube, est environ deux fois plus grand que les couronnes. Les couronnes viennent toujours par paires et peuvent être de plusieurs couleurs. Rose, rouge, jaune, bleu, ainsi que blanc et brun. Les deux couronnes lui servent à manger et à respirer. Pour manger, le petit ver utilise les poils qui recouvrent ses couronnes, comme des cils pour piéger le plancton ou de minuscules plantes et le faire passer dans sa bouche. Le ver, arbre de Noël, vit normalement entre 10 et 20 ans, mais il peut vivre jusqu'à 40 ans. Lorsqu'ils sentent un mouvement dans l'eau et se sentent menacés, ils se rétractent dans leur terrier. Si la couronne du ver, arbre de Noël, est blessée, elle peut repousser. Aimes-tu décorer un arbre de Noël comme le ver décore le corail? Aimes-tu recevoir des cadeaux le jour de Noël? Aimes-tu voir les lumières de Noël briller sur les maisons et les arbres? Elles sont peut-être amusantes, mais ce n'est pas le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël est la célébration de l'envoi de la lumière du monde par Dieu. Jésus est la lumière du monde. Dans la Bible, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu n'as pas besoin d'attendre Noël pour célébrer la lumière de Dieu. Jésus est avec toi tout le temps et tu peux le partager avec tout le monde. Dieu peut t'aider à partager Jésus chaque fois. Eh oui! Un vers qui s'appelle Arbre de Noël. Oh, nous apprenons aussi que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Comme l'arbre de Noël décore les coraux, et on peut dire qu'il éclaire, Jésus est ici, nous a été envoyé pour qu'on puisse éclairer aussi dans le monde. Et bien sûr, il est au ciel, mais il a dit qu'il était avec nous. Dieu nous a donné un cadeau qu'on peut célébrer aujourd'hui, cette semaine, pendant le mois et toute l'année. Oh, que c'est merveilleux qu'on peut parler de Jésus, la lumière du monde, partout. Oh, ça me fait penser. Regardons l'histoire ensemble. L'histoire de Noël. L'histoire de Dieu, Noël. Une partie de l'histoire de Dieu concerne la naissance de Jésus, le Sauveur. Nous l'appelons Noël et elle commence ainsi. Des centaines d'années avant le grand salut, Dieu a déclaré à un prophète nommé Ésaïe que le Sauveur naîtrait d'une femme et prendrait le châtiment de toutes les mauvaises choses dans le monde. Quand ce Sauveur est finalement né, c'était le Fils de Dieu, Jésus. Et Dieu a fait de grandes choses pour démontrer que Jésus était celui que tout le monde attendait. Tout d'abord, un ange nommé Gabriel apparut à Marie pour lui dire qu'elle allait être la mère de Jésus. Cela n'arrive pas habituellement. Puis, quand Marie était enceinte de Jésus, elle a visité sa cousine, Élisabeth, qui était enceinte d'un bébé qui grandirait pour devenir Jean-Baptiste. Dès que Marie a dit bonjour, Élisabeth a senti le bébé tressaillir de joie dans son ventre. Les bébés ne peuvent même pas s'asseoir. Alors, Élisabeth savait que le bébé de Marie n'était pas n'importe qui. Au bout de quelques mois, Marie et Joseph quittèrent Nazareth et se rendirent à Bethléem où Jésus est né. Dans un hôpital, mais quelque part dehors, probablement avec des animaux autour. Ensuite, plus d'anges sont apparus, cette fois-ci à des bergers. Ils ont chanté « Gloire à Dieu ». Parfois, les parents envoient une carte pour annoncer la naissance de leur enfant. Jésus a été annoncé par des anges. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus est né? Une nouvelle étoile est apparue. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait l'étoile, mais nous savons que des hommes, des mages, l'ont suivi pour trouver Jésus. Parfois, les amis et la famille visitent le nouveau-né. Ces hommes étaient des étrangers qui savaient que la vie de Jésus allait être importante. Alors que les mages voyageaient, les parents de Jésus l'ont emmené au temple. Il avait un peu plus d'un mois maintenant. Un homme nommé Siméon était là aussi. Il avait attendu le Sauveur toute sa vie. Le Saint-Esprit avait dit à Siméon qu'il rencontrerait le Sauveur avant sa mort. Quand Siméon rencontra le petit Jésus, il a dit « Seigneur, tu es le roi de tous ». C'est une chose assez étrange à dire à un bébé. Mais Siméon le savait avec certitude, c'était le Sauveur qui l'attendait. Pendant ce temps, les mages étaient toujours en voyage.
ils s'étaient arrêtés pour voir si le roi Hérode savait où était Jésus. Hérode ne voulait pas voir Jésus. Il voulait le tuer. En général, les princes ne sont pas menacés par des petits bébés. Mais Hérode a réalisé que Jésus était un gros problème. Maintenant, Hérode n'arrêterait pas le plan de Dieu. Les mages ont fait un rêve où Dieu les prévenait de ne pas dire où était Jésus. Puis Dieu a envoyé un ange à Joseph dans un rêve. Il lui a dit comment s'échapper. Et Joseph a déménagé sa famille au milieu de la nuit, exactement quand Dieu l'a dit. Plus tard, Dieu a envoyé à Joseph deux autres rêves. L'un pour lui dire qu'Hérode était mort, un autre pour lui dire d'amener sa famille à Nazareth. Et c'est là que Jésus a grandi. Le Sauveur était enfin arrivé. Et les anges, les bébés qui tressaillent, les nouvelles étoiles, les hommes âgés, les étrangers, les souverains jaloux et les rêves ne sont que quelques façons de nous montrer que Jésus est le Sauveur. Et c'est l'histoire de Noël. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Un ange est apparu. Le bébé a tressailli. Les anges ont chanté au berger. Une nouvelle étoile est apparue. Des mages l'ont suivi. Hérode voulait tuer Jésus. Dieu l'a gardé. Joseph a eu un rêve. Il a déménagé. Il a eu deux autres rêves. Il a de nouveau déménagé. Le Sauveur était venu. C'est Jésus. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Eh oui, Jésus, la lumière du monde, tu peux la partager avec quelqu'un. La lumière du monde, le cadeau de Dieu, on peut le célébrer tout le long de l'année, pas juste à Noël. Et on peut parler. Ça me fait penser à une mission. On regarde la mission? Voici ta mission. Tu dois prendre un livre ou prendre des images ou prendre un clip et raconter l'histoire de Noël, de la naissance de Jésus, à quelqu'un. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un ami, ça peut être même ton frère ou ta sœur, et tu lui racontes l'histoire de la naissance de Jésus, la lumière du monde. Et ensemble, vous allez pouvoir découvrir et partager comment Dieu est bon et Jésus est bon. Alors, c'est facile? Alors, va partager la bonne nouvelle du cadeau de Dieu, la lumière du monde, Jésus. Bonne mission! Alors, tu vas la faire? C'est simple. Tu parles de l'histoire de la naissance de Jésus, la lumière du monde, le cadeau de Dieu, à quelqu'un, ton père, ta mère, un ami. Et ensemble, vous allez pouvoir célébrer comment Jésus est avec toi et t'aime et comment Dieu nous a aimés et nous aime encore et on peut le partager. Donc, ça me donne le goût de célébrer et chanter. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Alors, ici Philo en ligne et Shalom, célébrons ensemble en chantant. Je la ferai briller.
Bonjour, ici la famille Dion. Bouchard, Jules et Alexander. Je vous souhaite une bonne réunion et je vous donne des gros câlins. Cinq. Bon matin, Église Oasis, j'espère que ça va bien. Ce matin, j'avais le goût de commencer avec un chant, un vieux chant que ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté, mais que je trouvais tellement qu'il était bon, c'est Jéhovah Jiré, ma providence. Dieu est notre providence et peu importe nos besoins, quand on vient dans sa présence, il pourvoit tout ce qu'on a besoin. Souvent, on pense à des choses physiques quand on pense à Jéhovah Jiré, mais la providence, ça peut être n'importe quoi. Peu importe notre besoin, est disponible dans sa présence. Alors qu'on puisse chanter tout le monde ensemble, faites-vous de la place ce matin, on va bouger, l'adorer. Alléluia! Jéhovah Jiré, ma providence, l'Éternel prend soin de moi, de moi, de moi. Jéhovah Jiré, ma providence, l'Éternel prend soin de moi. Il pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Il envoie ses anges pour veiller sur moi. Jéhovah Jiré, prend soin de moi, de moi, de moi. Jéhovah Jiré, prend soin de moi. Oh, oh. Jéhovah Jiré, ma providence, l'Éternel prend soin de moi, de moi, de moi. Jéhovah Jiré, ma providence, l'Éternel prend soin de moi. Il pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Il envoie ses anges pour veiller sur moi. Jéhovah Jiré, prends soin de moi, de moi, de moi. Jéhovah Jiré, prends soin de moi. Oui, sa grâce me suffit. Je n'ai qu'à fixer mes yeux sur lui. Oh oui, sa grâce me suffit. En lui, je ne manquerai de rien. Oui, sa grâce me suffit. Je n'ai qu'à fixer mes yeux sur lui. Yeah. Oui, sa grâce me suffit. En lui, je ne manquerai de rien. En lui, je ne manquerai de rien. Oh, oh. En lui, je ne manquerai de rien. Oui, sa grâce me suffit. Je n'ai qu'à fixer mes yeux sur lui. Come on. Oui, sa grâce me suffit. En lui, je ne manquerai de rien. Yes. En lui, je ne manquerai de rien. Alléluia, c'est notre espérance et notre foi en lui. Amen. Alléluia. Oh, oh, yeah. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis lâche, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Oui, tu es avec moi, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Poser à ta volonté, qui peut t'arrêter?
découragé. Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, désormais, je veux persévérer. Car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho, écho en mon âme. Oh, 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 ton amour m'environne. Oh, et je suis libre, complètement libre en toi. Oh, lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant, je veux persévérer, car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Déclarons-le ce matin, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. J'aimerais ça vous lire le psaume 84. J'aime tellement ce psaume. Et ça parle. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins frayés. Et que lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils en font un oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, ils ont plus de force pour se présenter à Dieu. Amen. Le Seigneur est là. Le Seigneur est bon. Et oui, son amour nous amène plus haut, nous élève plus haut. Oh, et on peut gravir les montagnes qui sont devant nous, parce que sa grâce nous suffit. Alléluia. Jésus. Si la lune me glace, et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Et que mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours.
est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai chantant. Toi seul es ma force. Toi il
une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, de prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette est quittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Oui, il est avec moi dans le feu. Devant lui, j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Hey, hey. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Yeah. Lui qui était et qui est sera à jamais. Donc peu importe ce qui adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Oh, oh, oh. Je sais que je ne serai jamais. La tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, car rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le monde.
m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, tu es là. Je chancellerai pas, car tu es avec moi. Tu rends mes pieds comme ceux des biches, je peux marcher sur les hauteurs sans trébucher, car mes yeux sont sur toi. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ton amour qui nous porte, pour ta grâce qui nous restaure. Oh, oh. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Tu enlèves tout fardeau. Tu enlèves tout fardeau. Et tu nous libères dans ton amour. Seigneur, je prie pour l'église Oasis ce matin. Je prie pour tes fleuves d'amour, tes fleuves de grâce. Seigneur, j'appelle ta grâce sur chacun d'eux, sur chacun de nous, sur chaque famille, sur chaque couple, sur chaque enfant qui nous écoute ce matin. J'appelle une grâce qui surabonde. J'appelle ta grâce qui surabonde maintenant, dans le nom de Jésus. Prenez le temps de prier, peut-être prendre un temps de prier les uns pour les autres. Alléluia, oh, oh, oh. Oh, faites juste du ministère auprès de votre conjoint, auprès de vos enfants ce matin. Prenons le temps de nous serrer dans les bras et déclarer la vie, déclarer la bénédiction, déclarer oui, ça va bien aller. Pas juste parce qu'on le dit ça comme ça, mais ça va bien aller parce que sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Et sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Et sa puissance s'accomplit à travers nos faiblesses. Car il est bon et son amour couvre une multitude de fautes dans chacune de nos vies. Alléluia. Hey. Yes, est-ce qu'on peut terminer avec ce petit refrain? Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Yeah. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni aucune hauteur. Rien ne peut nous séparer de son amour pour chacun de nous. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps de louange dans sa présence. Juste pour mentionner, pour ceux qui nous suivent,
qu'à la fin de cette vidéo, à la fin de la réunion avec le pasteur Joël, il y a une possibilité pour ceux qui ont des sujets de prière, pour ceux qui ont besoin de parler, qui ont besoin de pouvoir échanger avec des personnes, il y aura un lien Zoom qui va être disponible au bas de cette vidéo. Simplement, cliquez là-dessus. Il y a une équipe de prière qui va être disponible. Les choses se font de façon en tout respect, en toute confidentialité. Et c'est une opportunité que nous avons de connecter, de pouvoir prier pour les gens, pour prier pour leurs besoins. Et nous croyons que Dieu répond aux prières. Et si vous vivez des choses, ne souffrez pas seul, parce que Dieu est capable de pouvoir vous rejoindre et intervenir dans votre situation. Passons aux annonces de la semaine. Juste vous mentionner que le mardi matin à 9h, nous avons notre temps de prière avec Pasteur Sam et Emily. C'est un moment incroyable où est-ce qu'on a l'opportunité de pouvoir intercéder. Donc, si vous avez envie de prier, d'intercéder, de crier à Dieu pour des besoins spécifiques, c'est la place. Les mercredis aussi, nous avons un temps avec le pasteur Anna à midi. C'est un temps aussi de partage, d'échange, où est-ce que Dieu nous rencontre et vous êtes cordialement invité à prendre place. Et le mercredi soir, nous avons à 19h30 notre rencontre Zoom cette semaine. Je vais être avec vous. On va pouvoir avoir un temps d'échange, un temps aussi d'échange autour de la parole de Dieu. Et c'est des moments vraiment aussi de connexion avec l'Église. Le jeudi matin, à 9h, il y a notre temps de louange. Donc, c'est un temps où est-ce que nous connectons la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu des louanges en peuple. Et c'est vraiment un moment où est-ce qu'on on laisse la présence de Dieu envahir notre atmosphère, notre environnement. Et on passe un super temps de louange. Et le vendredi, on a vraiment aussi le programme à Joël, Anna and Friends, qui est à midi. Donc, vous êtes aussi cordialement invités. C'est une occasion aussi où est-ce que Pasteur Joël reçoit un invité spécial à chaque semaine, où est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir partager son cœur, sa vision, et qui est vraiment tellement pertinent et encourageant pour le ministère. Donc, vous pouvez aussi, on va passer aux offrandes, vous pouvez aussi donner aussi pour soutenir le ministère, le ministère et l'Église Oasis dans les différents, dans les différentes implications. Il y a plusieurs possibilités au niveau des dons, donc au niveau de l'Internet, avec, que ce soit avec PayPal, que ce soit aussi sur le site web de l'Église Oasis. Donc, vous pouvez tout simplement participer et nous vous remercions pour cela. Sur ce, nous allons passer à la prédication du jour et je vous laisse avec le pasteur Joël. Yes, bonjour tout le monde. Merci à tout le monde qui sont là ce matin, tous les intervenants. Merci ceux qui ont fait l'ouverture, c'est tellement le fun de voir d'autres visages, ça nous fait juste s'ennuyer de plus en plus de chacun d'entre vous, on a tellement de voir, on se voit par les Zooms d'autres occasions, mais l'heure de se voir face à face, en chair et en os, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est sain et sauf, et que tranquillement, à travers le déconfinement, bien, on va pouvoir se revoir très très bientôt, je l'espère, et ben c'est ça. Ce matin, on continue la série de messages sur les promesses. On a eu du bon temps dans les dernières semaines. Merci, pasteur Désiré, ma chère épouse, Anna, de s'être joint à la série. Allez écouter leurs messages, allez réécouter les messages de la série. Et ce matin, on continue avec l'idée du message et la promesse de l'espoir d'un jour meilleur. Amen. Et Colossiens 1, 27. On va le lire dans la Louis II qu'on a appris souvent par cœur quand on était plus jeune. Et la parole vivante, ça dit ceci. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Dans la version parole vivante, ça dit ceci. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré, come on, ce plan secret si riche, si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples, et voici ce secret, êtes-vous prêts? Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Come on, amen. Êtes-vous content?
est émerveillé de faire partie de ce plan dévoilé, ce plan secret, ce plan de l'espoir, l'espérance que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Come on, hallelujah, on a ce privilège, cette idée. L'idée d'espérance veut dire ceci dans ce contexte. C'est l'attente d'un jour meilleur. Encore plus que ça, c'est l'assurance que quelque chose de bon va arriver. Come on. Et Dieu est merveilleux. Dieu est un Dieu bon. Et Christ en moi, dites-le avec moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Come on. Et c'est cette ferme assurance. Je prie que cette définition puisse aller tout droit à votre cœur ce matin. Et juste réaliser que l'espérance, c'est la ferme assurance qu'un jour meilleur va arriver, que quelque chose de bon va prendre place. Et c'est plus que du positivisme, c'est plus que de l'optimisme, une pensée positive. C'est une ferme assurance dans la déclaration de Dieu. C'est une ferme assurance dans les promesses de Dieu. J'ai écrit ceci, l'espérance, c'est la confiante anticipation d'un Dieu bon. Come on! Ce n'est pas le déni de la réalité, mais la foi dans une réalité supérieure. Come on! Et on a cette ferme assurance de voir la gloire de Dieu se manifester. Ce matin, je veux qu'on s'encourage d'être plein d'espérance à travers les défis, pandémie, peu importe, épreuve qu'on peut tous vivre ou même pas, d'augmenter notre niveau d'espoir parce que l'espérance est critique. L'espérance est essentielle. C'est une composante hyper importante de chacune de nos vies. Proverbe 13, 12 dit ceci, « Un espoir différé rend le cœur malade, un espoir qui tarde, un espoir en retard, un espoir qui n'est pas présent rend le cœur malade. » Et un désir exaucé comme un arbre de vie, comment ça amène la vie, ça amène la joie. Quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus de joie. Quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus de paix. Quand on n'a plus d'espoir même, excusez, on perd même nos raisons d'être. On perd la raison d'exister. J'ai sorti cette citation qui dit ceci. Si nous ne rêvons pas ce qui peut prendre place, nous vivons seulement dans le passé. Et c'est vrai, des fois on perd de vue à cause qu'on vit dans le désespoir, encore qu'on manque d'espoir, notre niveau d'espoir diminue dans la vie à travers les choses et circonstances. Quand on arrête de regarder vers l'avant, on fait juste vivre dans le passé. Et on oublie cette réalité que Christ en moi, c'est la ferme assurance que quelque chose de bon va arriver. La ferme assurance d'un jour meilleur qui peut prendre place. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a frères et sœurs. On a cette capacité de croire dans les promesses de Dieu. On a cette capacité d'avoir cette ferme ancre dans les promesses de Dieu, dans l'espoir que quelque chose de meilleur va arriver. Comment? Et l'espoir, c'est probablement le plus grand outil qui éveille des choses en nous. Sans espoir, on meurt à petit feu. Mais quand on a de l'espoir, on rêve. Quand on a de l'espoir, on est rempli de passion. Quand on a de l'espoir, on a des désirs, on a de la joie, on a du feu qui nous anime. Come on! Et je veux ce matin qu'on s'encourage. Je veux qu'on soit rempli d'espoir à cause que Christ vit en moi. Come on! Et c'est pas toujours un concept facile à vivre dans la vie. Vous savez, l'espoir peut tendance à s'effriter à s'effriter avec l'âge. Vous savez, quand on est jeune, souvent on est plein d'espoir. Tout est devant nous. Le meilleur nous attend, on a plein de rêves, on est jeune, on est 18, 20 ans, on a l'espoir de se marier, on a l'espoir d'avoir un bon travail, on a l'espoir d'avoir un beau char, on a l'espoir d'avoir une grosse maison, on a plein d'espoir, peut-être des fois matérialiste, on a l'espoir de on a tous les rêves devant nous pour servir le Seigneur, d'accomplir sa destinée dans nos vies. On est plein d'espoir parce qu'on n'a pas eu le temps des fois d'essayer de vivre pour vivre des choses qui tuent notre espoir, qui éteignent à petit feu notre espoir. À mon âge, oui, à mon âge, ça fait drôle à dire, mais à mon âge, bientôt 45 ans dans 5 dodo, oui. Et on a vécu plein de choses.
plus ou moins une dizaine d'années, ceux qui sont dans mon groupe d'âge, on est à la fleur de notre vie, on a les enfants, la vie avance, les choses, le travail, et des fois on s'aperçoit que la vie est pas comme si on l'avait espéré quand on était jeune, c'est pas ce qu'on espérait, et des fois on a des problèmes de relations, ça peut être des défis de santé, ça peut être plein d'épreuves, on a passé à travers les années, on se dit, ouf, l'espoir d'un jour meilleur, on verra, oui, tant mieux si ça arrive, mais pour l'instant, je passe à travers ce que je vis. Des fois, l'espoir diminue, l'espoir s'effrite. Quand on est plus âgé, à l'automne de notre vie, quelle belle phrase poétique. Quand on est rendu à l'automne de notre vie, des fois, on dit, wow, l'espoir d'un jour meilleur, c'était dans le passé, ça, je fais ma petite vie, je suis à ma retraite, j'avance tranquillement, pas vite, on attend que Jésus revienne, et pourquoi j'espère un jour meilleur, il reste pas grand chose, c'est l'espoir c'est dans le passé, l'espérance c'est dans le passé, non, Dieu veut faire aujourd'hui quelque chose d'encore mieux, je crois que Dieu fait quelque chose de glorieux, Christ en moi, l'espérance de la gloire, manifester cette gloire n'est pas juste éternelle, même si au minimum ça serait ça, c'est glorieux déjà, c'est au minimum, l'espérance de la gloire c'est de passer l'éternité avec lui, c'est juste ça, gloire à Jésus, je prends ça n'importe quelle journée, mais je crois que c'est plus que ça, c'est pour aujourd'hui, qui dit amen à ça? Yes, alright, et c'est pour aujourd'hui, c'est pour chacun d'entre nous, Christ en moi, la ferme assurance, quelque chose de mieux, quelque chose de bon va arriver, parce qu'on a un Dieu bon, et savez-vous qu'est-ce qui me permet de croire à ça? Ce qui me permet de croire à ça, c'est le facteur Christ en moi, et quand je dis facteur, je parle pas de celui qui passe dans la rue nous donner les lettres. Quand je dis facteur, je parle de l'équation, le plus du Christ en moi. Ce que ça fait dans ma vie. Vous savez, la société aujourd'hui, le monde séculier, l'être humain vit à partir de ses forces, de ses capacités, de ses connaissances, de ses dons, de ses potentiels. Mais il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Même l'être humain le plus puissant, le plus haut, avec le plus de potentiel, lui manque quelque chose. Même si l'être humain peut accomplir des choses extraordinaires, le facteur, l'équation Christ en moi amène un plus à chacune de nos vies. Et Dieu veut faire tout ce qu'il fait à travers nos vies d'une façon encore plus glorieuse parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire, commande de sa gloire, de vivre puissamment cette manifeste gloire dans ma vie. Il y a Joël, mais il y a aussi Joël, Christ en moi, avec le Christ en lui. Il y a Joël seul et il y a Joël avec le Christ en moi. Moi, c'est lui que je veux, c'est lui que je veux découvrir, comment laisser Christ vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis que la parole de Dieu va dire, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment? Mais soyons honnêtes, entrer dans cette promesse n'est pas seulement la chose la plus facile. De déclarer cette promesse dans nos vies n'est pas seulement la chose la plus simple. Même des fois, c'est la dernière phrase qu'on veut entendre. Surtout dans un moment difficile, dans un moment ou qu'on vit des épreuves, des moments de tristesse, de blessures, d'amertume, peu importe ce qu'on pourrait vivre, d'entendre qu'un jour meilleur, c'est pas toujours, mais pourtant c'est ce que Dieu nous dit ce matin, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Pensez juste à Joseph, Joseph est un jeune, comme on a dit tantôt, il y a plein de rêves devant lui, il y a plein d'espoir devant lui, il y a plein de choses qu'il sent qu'il va prendre place, il sent qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent devant lui, ça va être hot sa vie, mais sa famille pense pas pareil, ses frères décident, ils le lancent dans un puits, en plus, au lieu de le tuer, bonne nouvelle, à la place, il décide de le vendre comme esclave. Il se fait vendre comme esclave à la maison de Potiphar. Il se fait courir après la femme de Potiphar qui veut avoir du fun avec lui. Et c'est pas de sa faute, c'est pas lui. C'est une fausse accusation. Il se fait envoyer en prison. et en prison, il se fait des amis. Il y a des paroles du Seigneur pour eux. Et ses amis sortent de prison. Il l'oublie. Come on! C'est quand que tu dis à Joseph, « Hey, Joseph, inquiète-toi pas,
Il y a une journée meilleure qui s'en vient. Il y a quelque chose de bon qui est sur le point d'arriver. C'est quand tu dis ça. C'est quand tu prends le courage de dire au Joseph, « Hey, inquiète-toi pas, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. C'est-tu dans le puits? C'est-tu... » Quand il se fait courir après la femme de Potiphar, il se fait envoyer en prison. Sais-tu quand il est oublié par ses amis? C'est à quel moment de sa vie qu'on prend le courage et on lui dit, « Hey, Joseph, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Il y a une espérance de la gloire de Dieu dans ta vie. Come on! » Et pourtant, dans les faits, c'est ça qui est arrivé. Vers la fin de sa vie, les choses ont changé de bord, les circonstances ont changé, ses frères sont venus devant lui, et Joseph fait ceci, « Les choses que vous avez prévues pour mon mal, Dieu l'a changé dans mon bien. » Comment? Un jour meilleur, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Moïse, pendant mon âge, une quarantaine d'années, Moïse est dans la gloire, Moïse est... a été adopté comme fils adoptif du Pharaon en Égypte. Moïse est dans la reconnaissance. Moïse, comment on est dans la gloire, dans le prestige. Et il fait une mauvaise décision. Il tue un Égyptien pour défendre un Israélite. Il prend les choses entre ses mains. Et Moïse perd tout. Dans les années les plus fastes de sa vie, il perd tout. Fils de Pharaon, à gardien de mouton. Parle-moi d'une drop, rien contre les bergers, mais parle-moi d'une drop entre fils de Pharaon et gardien de mouton. Et pendant 40 ans, Moïse est dans le désert. Moïse prend soin des moutons. Moïse a tout perdu, son prestige, sa gloire, sa reconnaissance, ses richesses. C'est fini. Il est oublié, il est tout seul. On pense même plus à lui. 40 ans! 40 ans, c'est dans quelle décennie qu'on vient lui dire « Hey, Moïse, inquiète-toi pas, il y a un jour meilleur qui s'en vient. » C'est qui a le courage d'aller dire « Christ avec toi, l'espérance de la gloire, c'est qui? » C'est-tu dans quelle décennie qu'on dit? Dans quarantaine? Dans cinquantaine? Dans soixantaine? Dans soixante-dizaine? Je sais pas si ça se dit, mais c'est quand qu'on dit 40 ans, hein? Avant que Dieu se manifeste à lui, c'est quand qu'on lui dit « Inquiète-toi pas, il y a une chose meilleure. » Pourtant, dans les faits, c'est ça qui est arrivé. Dieu s'est manifesté à lui dans le buisson ardent, à travers le buisson ardent. Dieu l'a utilisé puissamment et Moïse est possiblement l'un des meilleurs leaders que le peuple d'Israël a jamais connu. Comment? Et Dieu l'a utilisé comme le libérateur tant attendu. Comment? Dieu est bon. Christ en moi l'espérance de la gloire. Job, c'est quand tu dis à Job, inquiète-toi pas, une journée meilleure qui s'en vient. C'est-tu avant qu'il perde toutes ses choses, après qu'il perde toutes ses richesses, ses moutons, ses brebis, ses animaux? C'est-tu après qu'il perde ses 7 enfants? Sa famille au complet. Imaginez-vous la tristesse de perdre tous tes enfants, de perdre toutes tes richesses en même temps. Imaginez-vous l'émotion qui est rattachée à ça. C'est quand que quelqu'un prend courage et qu'il lui dit « Hey, Job, inquiète-toi pas. Christ, en toi, l'espérance de la gloire, il y a un jour meilleur qui s'en vient. » C'est qui va aller dire? Pourtant, dans les faits, c'est ça qui est arrivé, parce que Job, même à travers l'épreuve qu'il a passé à travers, Dieu lui a donné le double de ses possessions, le double de ses enfants qui sont venus. Comment? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je prie ce matin que cette promesse s'ancre dans chacune de nos cœurs. Hallelujah! L'espérance d'un jour meilleur, qu'un Dieu bon va se manifester dans chacune de nos vies. Hallelujah! Parce que dans les faits, j'ai écrit ceci, retenez ceci ce matin. Ce que Dieu fait avec toi est bien plus de ce que tu vois. Ce que Dieu veut faire dans ta vie est bien plus de ce que tu peux t'imaginer. Ce que Dieu a planifié, dans le verset qu'on a lu, Dieu a planifié de révéler dans son plan son secret. Dieu a planifié quelque chose dans ce que Dieu planifie. C'est bien plus de ce qu'on est capable d'imaginer, de voir, de comprendre. Alors, il faut s'accrocher à cet espoir qu'on a en Dieu, cet espoir qu'on a dans le fait que Christ vit en moi. Comment? Je vais vous parler de Noémie ce matin dans la Bible. Dans le livre de Ruth, peut-être vous avez déjà lu ce livre dans l'Ancien Testament. Et
L'histoire est bien simple, je vais vous la paraphraser rapidement. Noémie, mariée, israélite, vivant à Jérusalem, il y a pas une pandémie, mais une famine qui prend place et décide de quitter. Ils s'en vont vers le pays de Moab, qui est au nord de Jérusalem, peut-être un 150-200 kilomètres. Et les Moabites sont les ennemis d'Israël. Ils s'en vont s'installer là-bas. Ils amènent leurs deux fils avec eux. Et dans les années qui passent, ces fils marient des Moabites, quelque chose qu'ils ne devraient pas faire nécessairement, selon la pensée d'Israël. Le peuple Moab est détourné de Dieu, des mœurs douteuses, ne devrait pas se mêler en tant que peuple de Dieu. Mais c'est ce qui arrive parce qu'ils sont dans un autre pays qui n'est plus les leurs. Et la pire chose qui pourrait pas arriver pour une femme dans ce moment-là, Noémie, elle vit. Noémie perd son mari, Noémie perd ses deux fils. Et il n'y a plus personne pour la supporter. Il n'y a plus personne pour la supporter, elle, supporter ses belles-filles. Et elle se retrouve seule avec ses belles-filles. Ils n'ont même pas de progéniture. Ils n'ont même pas d'autres enfants. Et dans ce temps-là, être veuf ou veuve, plutôt veuve, c'était terrible parce qu'il n'y avait plus personne. En plus de ne pas avoir aucun homme dans sa descendance pour prendre soin d'eux, Noémie avait tout perdu. Noémie avait plus rien. Plus de nation. Plus de mari, plus d'enfants, à la limite presque plus de famille, et elle est seule. Et Noémie dit à ses deux belles filles, Ruth et Orpah, elle lui dit pas Oprah, mais Orpah, elle lui dit, ok, faites ce que vous voulez, moi je m'en retourne à Jérusalem. Mais Ruth, elle lui dit, non, jamais je vais te délaisser, jamais je vais t'abandonner, ton pays va être mon pays, ton Dieu va être mon Dieu. Alors Ruth revient avec elle, mais Noémie est amère, Noémie est fâchée, Noémie est déçue, Noémie, elle revient dans Jérusalem, ça dit que les gens la reconnaissent, puis voici, c'est fou ce que Noémie va dire au chapitre 1, verset 19 et 20 du livre de Ruth. Ça dit, Noémie leur répond aux femmes qui l'accueillent. Elle dit, ne m'appelez pas Noémie, la femme heureuse. Wow, Noémie veut dire la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère. Aïe, aïe. Car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. Non seulement ça, blâme Dieu. En partant d'ici, j'avais les mains pleines. Mais le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Wow. Il s'est tourné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Noémie, la femme heureuse. Wow! Quel texte, quelle déclaration, quel constat de son âme intérieure. Il n'y a pas d'espoir là-dedans. Il n'y a pas d'espoir dans son comportement, dans son discours. Mais c'est quand tu dis à Noémie, c'est quand tu vas la voir et dis, Noémie, inquiète-toi pas. Il y a un jour meilleur qui s'en vient. Tu penses que tu as les mains vides? Tu penses que tu es revenu avec rien? Tu penses que Dieu t'a tout enlevé? Non! Il y a un jour meilleur. Inquiète-toi pas. Et Dieu, je suis sûr qu'il était là des cieux. Non! Noémie, je suis là. Je t'aime. Garde espoir en moi. Garde espoir en mes plans. Garde espoir dans ce que je veux faire. Come on, t'es pas revenu les mains vides. Regarde, Ruth est là, puis à travers elle, je vais te bénir. À travers elle, on t'oubliera pas. Come on, si tu pouvais juste voir, si je pouvais juste t'ouvrir les rideaux de ce que je suis en train de faire en arrière des scènes, si tu pourrais juste voir ce que moi je vois, au lieu de te plaindre de moi, au lieu de te dire fâché après moi, au lieu d'être amer, tu serais là en train de me louer, come on. Tu serais là en train de m'adorer parce que tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Tu vas voir ma main toute puissante dans ta vie. Et des fois, frères et sœurs, on perd perspective du plan de Dieu. On perd perspective de ce que Dieu est en train de faire dans chacune de nos vies. Et on perd espoir
de Christ en moi, l'espérance d'un jour meilleur, espérance de ce que l'assurance que quelque chose de bon va arriver, comment l'espérance de la gloire de Dieu. Puis dans les faits, comment c'est ça qui est arrivé? Ruth a marié Boaz et Boaz est un homme riche et Ruth a été mise dans la lignée de Dieu. Comment était pas supposée d'être là? C'est une Moabite, c'est pas une fille d'Israël. Et Ruth a été rappelée, Noémie a été rappelée à travers Ruth. Et Ruth est devenue la grand-mère du roi David dans la lignée du roi Jésus. Come on! Et Dieu fait une œuvre dans nos vies. Si Noémie aurait su la fin de l'histoire, elle serait pas appelée la femme amère, elle serait appelée la femme bénie. Et frères et sœurs, des fois, on perd de vue, on perd la perspective que Dieu a un plan, que Dieu agit en arrière des scènes. Je veux vous rappeler ce matin que peu importe votre situation, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, ne perdez pas espoir en celui qui est au-dessus de toute chose. Ne perdez pas espoir en celui qui est plus grand que chaque situation. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Comment? Que l'esprit de ce monde, que le découragement de ce monde. Laissez Dieu agir. Gardez espoir ce matin. Comment? Je vous dis ceci, Dieu utilise les revers de notre vie. Hallelujah! Dieu veut utiliser les échecs de nos vies. Dieu utilise les revers, les contre-courants, les coups qu'on reçoit. Dieu veut les utiliser. J'ai écrit ceci, quand on garde espoir en lui, il utilise les revers, les échecs, les épreuves de notre vie pour sa gloire. Qui dit amen à ça ce matin? J'ai écrit une petite définition pour les revers. Les revers, c'est ceci, c'est quand des circonstances inattendues cause des délais dans le progrès ou un retour en arrière, quand un coup soudain qui empêche le bon qu'on s'attendait. Parfois, c'est coup après coup. Je pense à juste à Jade et Joseph. On les bénit, on prie pour eux. Merci Seigneur parce que tu prends soin d'eux. Et des fois, on vit des expériences et coup après coup, une annonce, une autre annonce. Mais c'est dans ces moments-là qu'on prouve à nous-mêmes et qu'on prouve à Dieu en qui qu'on met notre confiance. C'est qui qu'on croit qui prend soin de nous. Alléluia, on les bénit ce matin. Et j'ai écrit ceci, le revers a tendance à nous voiler de ce que Dieu, qu'est-ce qui pourrait prendre place. Wow, comment je le relis. Le revers a tendance à nous voiler de ce qui pourrait prendre place. Et quand on voit des échecs, des fois on voit juste les échecs, on voit juste les circonstances, quand on vit des épreuves, on voit juste ça et on perd de vue ce qui pourrait prendre place, on perd de vue ce qui pourrait être meilleur. Et Ruth l'a déclaré, Dieu m'a envoyé plein, je suis revenu vide. Et à cause de son expérience, elle voyait pas ce qui pouvait prendre place, elle pouvait plus imaginer que Dieu œuvrait dans sa vie. Et des fois, frères et sœurs, dans le revers de nos vies, dans les échecs, dans les moments où on ne peut plus avancer, dans les moments de perte ou de désespoir, on perd, mais on prophétise négativement, on déclare négativement notre futur. Il n'y a plus rien de bon qui va m'arriver, je suis vide. Non, tu as les mains pleines, Dieu a pourvu à côté de toi la personne, l'ami, la descendance que Dieu va prendre soin de toi et que Dieu va t'utiliser. Comment? J'ai écrit ceci. Les revers, c'est ce qui fait de nous des plus grandes personnes. Personne ne veut vivre des revers. Si je vous dis, une journée meilleure, ouais, des revers, non! On aimerait ça toujours vivre le meilleur. Il y a cette promesse qui est là. Mais Dieu utilise tous les revers dans nos vies avant la journée meilleure qu'on peut s'attendre en lui parce que Christ en moi a l'espérance de la gloire. Dieu l'utilise et chaque grande personne de Dieu que j'ai étudiée ou lue dans ma vie ont vécu des revers. Mais à cause qu'ils ont été fidèles, à cause qu'ils ont mis leur confiance en Dieu, à cause qu'ils ont gardé leur espoir en Dieu, Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie et c'est souvent là qu'on a lu leur témoignage de miracle et de reconnaissance envers Dieu. Ma question pour vous ce matin, en qui mettez-vous votre espoir ce matin? En qui mettez-vous votre espoir? Quand c'est difficile, quand ça va mal, quand il y a des échecs, des revers, de l'opposition, en qui vous mettez votre confiance? La confiance, c'est pas une émotion. La confiance, c'est un choix, frères et sœurs. Pas la confiance, mais plutôt l'espoir. L'espoir, c'est pas une émotion. L'espoir, c'est un choix.
Et je choisis de mettre ma confiance en Dieu, dans le Dieu Tout-Puissant. Je ne mets pas confiance, je ne mets pas ma confiance, plutôt mon espoir dans mes capacités, parce qu'à un moment donné, mes capacités vont faiblir, ils vont s'envoler. Je ne mets pas mon espoir dans mes sentiments, parce que mes sentiments ont tendance à me mentir et à me voiler de la réalité. Je ne mets pas ma confiance dans les autres, parce que les autres ne peuvent pas porter même l'espoir que je peux mettre en eux. Et souvent, les autres nous déçoivent. Et Dieu est le seul dans lequel on peut mettre confiance. Notre espoir, plutôt, je joue entre espoir et confiance. Comment? Et où nos ressources, je ne veux pas mettre mon espoir dans mes ressources. Parce que comme on a vu, pouf, ça peut partir. Nos richesses peuvent partir comme ça. Sans savoir, à cause d'une pandémie, à cause de quelque chose. Et nos vies sont carrément changées. Je dois mettre ma confiance en Dieu. Je dois mettre ma confiance dans le plan de Dieu. Écoutez ce que je suis en train de dire. Je dois mettre ma confiance dans le plan de Dieu. Jérémie 29, 11 dit ceci. Mais je sais, c'est Dieu qui parle. Dieu, il sait. Lui, il sait. Toi, tu le sais pas, mais lui, il sait. Toi, tu le sais pas encore, mais lui, il sait. Toi, tu l'as peut-être pas vu encore, mais lui, il sait. Toi, peut-être, tu le réalises pas encore, mais lui, il sait. Comment? Il dit, les plans que j'ai pour toi ne sont pas de malheur, mais de bonheur. Et sont d'un avenir rempli d'espérance. Comment? C'est une promesse à Israël, mais on peut se l'approprier. Aujourd'hui, Dieu a des plans. S'il y a des plans pour Israël, il y en a des plans pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et lui, il sait. Et je peux lui faire confiance. Comment? Et non seulement ça, Romains 8, 28, c'est nous savons. Lui, il sait. Maintenant, nous savons. Que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon quoi? Son plan. Moi, je suis plein d'espoir ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en son plan. Des fois, je peux être découragé, mais je me relève parce que je choisis de mettre mon espoir dans son plan. Dieu, il a un plan. Dieu, il sait son plan. Maintenant, je sais que lui, il prend soin et que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son plan. Come on! Je suis pas découragé. Je suis pas stressé. Je suis pas nerveux. Je suis pas effrayé. Quand je mets mon espoir dans son plan, come on, j'aimerais ça entendre quelqu'un crier Amen ce matin, du plus haut que vous êtes fort, que vous êtes capable de faire. Je mets ma confiance en Dieu. Je mets ma confiance, mon espoir dans celui qui était au-dessus de toute chose, au-dessus de chaque circonstance, au-dessus de toute chose. Come on. De toute situation, je mets mon espoir, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et ce matin, juste finir avec ce verset-là, psaume 121, verset 1 à 3, qui dit ceci, c'est un cantique des pèlerinages. Ça dit, je lève les yeux sur les monts. D'autres versions vont dire, je lève les yeux vers les montagnes. Et ça dit, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied vienne à trébucher, car celui qui te garde ne sommeille jamais. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Le gardien d'Israël, je vais mettre mon nom, le gardien de Joël. Le Seigneur est ton protecteur. Le Seigneur est ton ombre. Il est à ta main droite. Mais il n'y a pas plus encourageant que ça ce matin, que dans les situations de nos vies, dans les revers de nos vies. Ma question pour vous ce matin, d'où vient ton secours? Est-ce que ton secours est en toi? Est-ce que ton secours est en tes capacités, dans tes forces? Ton secours, es-tu dans le gouvernement, dans les finances, dans tes ressources, ton secours, es-tu dans les gens autour de toi? Où est ton secours? Et le texte va dire comment? Mon secours me vient de Dieu. Comment? Je regarde sur la montagne et je vois le Seigneur dans sa gloire. Je vois le Seigneur, hallelujah, sur son trône, hallelujah. Et ça dit, c'est un chant. C'est un chant des pèlerinages. C'est un chant qu'ils chantaient quand ils allaient de partout en Israël. Ils allaient vers Jérusalem lors des fêtes. Et comment on doit pas perdre notre chant, frères et sœurs, que quand on est en chemin dans la vie, quand on est en chemin, hallelujah, de pas perdre notre chant d'espoir qui dit, comment, même si les choses
va pas bien à gauche puis à droite. Comment, d'où me vient le secours? Le secours me vient de Dieu. Comment, et ça dit que jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille. Comment, Dieu est pas en train de dormir dans la situation présente. Dieu est pas en train de s'assoupir présentement. Et s'endormir en face de nos épreuves. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment, j'espère que vous êtes en feu ce matin. J'espère que vous êtes motivés d'entendre cette parole. Ce matin, ça dit même que, alléluia, ça c'est tellement bon, ça dit même qu'il est notre ombre. S'il est notre ombre, c'est parce que ça chauffe. Comment, s'il est notre ombre, c'est parce que le soleil des fois nous brûle. Et ça dit que le Seigneur est notre ombre, il est celui qui nous protège. Il est à notre droite. Frères et sœurs, je veux vous encourager ce matin à garder votre espoir en Dieu. Je vais vous encourager ce matin à fixer les yeux sur Jésus, l'auteur de votre foi et celui qui va l'amener à sa perfection. Hallelujah! Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Come on! Et Romains 15, 13, ceci, que Dieu, l'auteur de l'espérance, Dieu, l'auteur de l'espérance, come on, vous comble de joie et de paix à cause de votre quoi? Confiance en lui, voilà le mot confiance. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Come on! Et ce matin, je veux tout de suite prier avec vous. Seigneur, je déclare, je sens sa présence. Hallelujah, ce matin. Ici, ce matin, à chacune. Hallelujah, de vos maisons, je crois que la présence de Dieu est avec vous. J'aimerais ça juste que vous puissiez fermer les yeux. Que vous puissiez juste, hallelujah, juste recevoir ce matin, recevoir de la présence de Dieu. Dieu est là et Seigneur, je crois que par la puissance du Saint-Esprit, il est en train de remplir votre cœur. Il est en train de remplir votre vie d'espérance. Il est en train de remplir votre vie de joie. Come on, il est en train de remplir votre vie de paix ce matin. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je déclare pour chacune de nos vies, de chaque personne qui écoute présentement, Seigneur, tu es glorieux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur, et tu te révèles à chacun de nous. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que dans nos revers ce matin, Seigneur, que tu viennes puissamment œuvrer, Seigneur, et démontrer ta gloire et utiliser nos revers pour ta gloire. Et Père, on veut déclarer ce matin qu'on choisit de te faire confiance. On choisit, Seigneur, de garder l'espoir en toi. D'où me vient le secours? Le secours me vient de Dieu. Come on! Hallelujah! Celui qui est au-dessus de chaque circonstance. Et si vous vivez quelque chose de difficile ce matin, peu importe, je crois que l'espoir revient ce matin. Come on! Regardez pas à gauche, regardez pas à droite, regardez à Jésus. Come on! Et je vous dis ce matin, j'ose vous le dire, il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Come on, faites confiance en lui. Si au minimum, c'est passer l'éternité avec lui, et gloire à Dieu, je prends ça n'importe quelle journée de la vie, mais come on, je crois que c'est pour aujourd'hui. Et Dieu fait quelque chose dans votre vie ce matin. Papa, je te rends gloire pour ce que tu fais dans ton nom. Et je te dis, haha! Je te dis merci Seigneur, parce que tu es un Dieu bon et qu'un jour meilleur m'attend et quelque chose de bon s'en vient vers mon chemin dans le nom de Jésus. Amen. Wow! J'espère que vous recevez ce matin. Avant de vous laisser, Sam et Emily vont faire un dernier chant et j'espère que vous l'écoutiez, que vous laissiez inspirer par ça. Mais maintenant, dès maintenant, il y a des gens qui vous attendent. Il y a des gens qui veulent prier pour vous et je veux prier personnellement pour vous. Je vais être là et je prie que vous vous joigniez. Cliquez sur le lien Zoom en bas, pas de l'écran, mais en bas dans la description, soit du vidéo YouTube ou soit sur Facebook, peu importe où vous nous écoutez ce matin. Mais cliquez maintenant sur le lien, venez nous joindre. On a à chaque semaine, il y a plein de gens qui se présentent. On prie, on a des temps merveilleux. Osez! Si vous vivez un temps difficile ce matin, venez-vous-en. Je veux prier pour vous, on veut prier pour vous. On vous aime. Pour tout le monde, pour la famille Oasis, prenez le temps de vous laisser inspirer par ce chant ce matin. Et on vous bénit, on a hâte de vous voir. Prenez le temps de vous joindre à nous dans toutes les façons, soit Facebook Live ou soit le rendez-vous le mercredi soir. On vous aime. À la prochaine.
si nous venons assoiffés de plus, laissant derrière les peurs, les déceptions, disposant nos cœurs à ta vérité, nous déclarons, tu es un Dieu bon, tu accomplis tes promesses, même au creux des ténèbres, ta gloire est splendide, c'est toi qui combles nos vies. Venons découvrir les trésors des cieux, oh, que nos vies s'alignent au désir de ton esprit. Oh, disposons nos cœurs à ta vérité. Thank you.
Tendresse.